Hop, ça y est, on est attaqué. Je n'ai rien perdu. J'ai pas bien suivi ce qui s'était passé là-bas. Mais je n'ai rien perdu, il me semble, en tout cas. Ça, c'est à peu près certain. Et si on n'a rien perdu, on a sans doute dû tuer des autres personnages. Et notre ligne a tenu parfaitement. Voilà, on est passé ici. Donc, nous avons tué 200 infanteries, 20 guns, 30 motorized, chez toi c'est les buggy, je crois, et 20 tanks. Maintenant, c'est quoi comme tank? Je ne sais pas ce que c'était comme tank. Alors, nous avons réussi notre BP production. Nous avons gagné, je ne sais pas ce que c'est. Ah, eux, je pense que c'est notre méritocratie. Peut-être. Là, il a réussi sa roquetterie en un tour, malgré qu'il n'ait plus que 70%. Nous avons l'AG2 qui était terminé et nous avons fini le Light Armor Corps. Comme ça, on va savoir ce qu'il y a exactement là-dedans. Et nous avons un cloning facility. On va voir ce que c'est. Hein. Income tax, je crois que c'est le dernier qui me manquait. On a également chaud dessus, mission. Call to Power, on verra bien. Et des War Games. Mais tout ça, c'est très 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 cher, hein, ce qu'on peut voir. Et Senspai, malheureusement, on n'a pas reçu le meilleur. Free Trade, j'ai pas besoin. Touk touk touk. Ça, c'est dans le cas où c'est eux qui nous imposent des tarifs. Hein. Et ben, je pense que jusque-là, c'est très bien. Donc, eux, ils ont dû perdre un sacré coup dans le nez. Hein. On sait qu'ils ont perdu, là. Pas combien, mais ils ont perdu, ça c'est sûr. Regardons nos décisions. Ok, cette design et la zone décision. Nous avons un petit. Bah oui, il fallait un petit peu s'en douter quand même. Et tu ne me proposes pas. Tu ne me proposes que ça. Mais bon, j'ai eu mes invoices. Donc 48 si tu prends 6 points. Ça va te faire 54. Je serai toujours en tête. Et de toute façon, je te descendrai. C'est toi qui descendras. Donc toi, tu restes bon. Ça, je n'ai donc aucun problème pour travailler ceci. Et donc, on va faire tout de suite. On va dire oui. Personne n'a perdu de points. Voilà. Donc on est bien monté de 221 points. Donc on n'a plus que 21 PP cette fois-ci. On a gagné des sous. On a gagné des sous. On a gagné 2 points en parole. Ce qui est parfait. Alors, tu as pu envoyer que 18%. Ben oui, il n'y a que 18% qu'on avait de trucs. Le cabinet. Le cabinet, eh bien tout le monde n'a pas de diarrhée. Il y a, ces deux-là pourraient monter un tout petit peu plus, ça aurait été sympathique. Les demandes, le moral, nous sommes à 76 pour 77, il reste 10 tours, donc je n'ai même pas besoin d'augmenter le prix des choses. Alors, 13, oui, 20%, on est à 152, donc on va augmenter maintenant. Import et export, est-ce que tu m'as donné quelque chose? Voilà, 25%, ça me fait 147 de crédit. Ça, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Ça me fait énormément bien. On n'a pas fait de forcé de sale et on gagne quand même un peu d'argent. Donc, en augmentant, est-ce que ça vaut la peine d'augmenter de 10%? Si j'augmente de 10%, eh bien, nous aurons 10% en plus. Ça fera une quinzaine de crédits.
Et de toute façon, l'argent, comme je le disais, il revient de toute façon, puisque je le redonne en gros. Maintenant, il ne faut pas avoir trop de pognon, hein, gagner trop de pognon. Parce que le garder là, c'est plus embêtant qu'autre chose. Parce que vous le gardez là, eh bien, il ne retourne pas dans vos villes. Et donc, il n'apporte aucun intérêt. Maintenant, il vous permet d'acheter pas mal de petites choses. Bon. Payer pas mal de petites choses plutôt, comme par exemple augmenter les salaires, ce qui est toujours intéressant d'augmenter les salaires. Bon, allons voir nos archéologues. Est-ce que vous nous avez trouvé quelque chose de nouveau, mon ami? Non, rien du tout. Le prospecting, ça, je ne change strictement rien, je m'en fous. Ah, export tout en marque 30 rares métaux, c'est ça qu'on a fait. Hein, c'est là qu'on a eu tout notre pognon. Décision archive. Alors, Minor Strike, oui, et Popular Union. Donc, on n'a rien reçu du tout comme foreign affaires, malheureusement. Regardons le Victory. Nous sommes toujours en deuxième position. Et nous avons un petit peu plus d'espace que les premiers régionaux. Mais t'inquiète, mon gars, on va récupérer de la population de monsieur ici. Donc, ben c'est parfait. Je pense que c'est parfait. Allons voir le régime de Zandmark qui nous aime toujours autant. Ensuite, regardons Brunmark qui voudrait. Il est à 67 maintenant. Et Wilhelmnitz est toujours à 42. Ok. Ensuite, je veux voir les techs de notre ami Zandmark. Je veux savoir pourquoi ça n'avance pas. Alors, université, hydroponique, vitcom, roquetterie. Ça, c'est moi qui viens de lui donner. Et si, qu'est-ce qui se passe avec lui? Il fout plus rien, quoi. Là, est-ce que vous pensez que ça a bougé depuis le coup d'avant? Possible que ça a bougé un petit peu là, mais est-ce que notre Hanson a suffisamment de monde? Je ne crois pas qu'Hanson nous donne la totalité de ses assets. Alors, Hanson, si. Tu m'as fait 6 000, c'est tout ce que tu as. Payons ni pour 84%, mais il n'y a plus besoin que de 84% pour que ça marche. Light Industry, ici, ah, je veux voir à Carica. Light Industry, niveau 2. Carica. Qu'est-ce que tu es occupé de me construire pour le moment? Next Light Industry, à nouveau. Si tu faisais autre chose, mais parce que moi je te dis, j'ai une carte pour t'éviter de payer 5 000 balles, parce que c'est 5 000 balles qu'il va devoir payer. Alright, on va le lancer. Donc, on revient dans les. Pas les décisions, dans les stratagèmes. J'ouvre le small stratagème, je vais dans zone, et je viens sur Caricam, oui. Et je fais Eager Industrie. Et j'en ai deux de toute façon, hein, donc autant le faire. Ça me coûte quand même 2 points, mais on va le faire. Boum. Alors, un jeune investisseur a choisi Carica pour démarrer son empire industriel. Il a upgradé la Light Industrie qui était déjà présente, et il nous dit qu'il a envie de vite gagner une fortune, et il serait heureux de nous payer ses dues. En plus, on a quoi là? C'est quoi ça? Dysgalactique, il a pu, ok. Must be friendly. Alors, fully automated, ancienne. Va regarder là, on le verra. Voilà, plus gros. Qui va augmenter notre population quicker? Oh.
Celui qui a le plus besoin de monde, c'est, je dirais, Hanson. Mais celui qui est le plus heureux, c'est Carica. Mais Hanson a besoin de monde. D'un autre côté, je peux aussi envoyer des colons. Ça me permet de mieux répartir. Hein? Maintenant, si j'envoie ces trucs-là à... Mais le maître à Carica, le problème, c'est que, il peut aller n'importe où dans Carica. Il peut très bien venir se taper là, par exemple. Là, là. Et j'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Bon, t'as envie, il aille, hein, quand même, là. On va le mettre. On va le mettre en sonne. Voilà, en sonne, c'est pour toi. Touc. Je le mets en sonne et il est où? Il est où? Il est dans la cité. Hein? Si j'avais su, si j'avais su, je serais pas venu. Alors, tu me donnes quoi? Ah, il faut payer. Et ça produit 1000 populations. Poum! Ah ouais! Et ça coûte 100 workers. Est-ce que j'ai pas assez de nouveau? Ah, donc, oui. Oui. Tiens, là, t'es 100 workers, mec. Voilà. J'ai mon profil qui vient de passer là. Donc, maintenant, ça, je m'en fous. Bah, je dis, je m'en fous aussi. Et ça, c'est pas mal non plus. Donc là, maintenant, on peut laisser tourner. On peut laisser tourner. Je suis tranquille avec ça. Heurte, attention, on est maintenant à 90 à 102. Donc, je peux encore perdre maximum 2 points là. Donc, ça va. Ce serait bien d'avoir un Curiosity. Et puis à la limite, on peut monter à... Ça aurait monté, celui-ci peut monter également à 50, hein, ça ne dérange absolument pas. Ils peuvent tous les trois être à 50, hein. Ça fait 100, 100 points à chaque fois. Si vous y arrivez, montez tout le monde à 50, et puis il faut rester, naviguer entre 40 et 50. Et alors là, vous êtes bien, quoi. Vous êtes bien. Mais bon, c'est pas facile à arriver, hein. Déjà, celui-là, j'ai du mal à le prendre. Donc, si vous en avez déjà au moins deux, quoi, si vous pouvez avoir deux et disons celui-là et celui-là, qu'est-ce que tu m'amènes, toi en... Tu m'amènes rien de spécial, hein? Non, non, non. Tu as assassiné de leader, ouais. Ça pourrait se faire, ouais. Mais bon, pas vraiment mon truc d'assassiner mes leaders. Donc, le mec, il va en recevoir 1200 par tour. Donc, je me dis, celui-ci, on peut le redescendre à Carica. Donc, je viens sur Carica, Z, et je reprends celui-ci à Carica. Voilà. Comme ça, Carica reprend les 200 personnes. Là, 1000 par tour, c'est déjà très bien, je trouve. On devrait y arriver. Il y en a des trucs de là qui sont occupés d'être construits. C'est quoi ces histoires-là? Donc là, tu fais un recycling 2. Oui. Et tu as une mine rare de niveau 3. Wow. Bientôt, il n'y en aura plus là-dedans. Ce sera intéressant de récupérer quand même. Celui-ci et son Iceman, on s'en fout. Celui-ci. Cette ferme-ci, c'est. Vous voyez, elle ne perd pas grand-chose là. Hein? 2114, on est tranquille. Celle-ci, c'est à lui. Mais bon, elle est abîmée, hein, force de passer dessus.
Qu'est-ce que tu as ici, mon petit? Tu fais du Metal Mind niveau 2, oui, c'est très bien. Ici, tu me fais du agriculture. Oui. À mon avis, là, il crève de faim dans ce truc-là. C'est comme du pic à chaque tour, ce truc-là. Il se fait avoir. Et ça, c'est encore une ferme. Putain, il y en a des fermes. Il faudrait aussi que je lui pique, que je lui casse le chemin là. Donc on va travailler un petit peu là-dessus. On va regarder un petit peu ce qu'on a à Fault Range. 57, je ne dois avoir que 40 qui doivent venir là-dedans. Et on doit récupérer ceci. On va faire ça. Là, tu as 112. Une Light Infantry, par contre, un petit peu plus compliqué ici à récupérer. Parce que ce sont des soldats qui ont 164 et 100 en défense. Et ils me font quoi? Ils ont moins 30 d'attaque, oui, ça c'est, mais ils ont 40 de défense supplémentaire. Mais ça serait bien de les buter quand même. Alors, toi mon ami, si je te move, je peux te mover où? Si je viens te mover ici dedans, tu me prends 48. Si je te move ici, tu me prends que 24. Ouais. Alors, on peut aussi peut-être envoyer un avion, non? Montre-moi un peu ce qu'on peut faire. Peut faire de l'air attaque, mais comme j'ai dit, ici il y a des avions, donc c'est un petit peu dangereux. On va envoyer le numéro 2, mais pas en air attaque, en air reco, pour voir plus clair là-dedans. On va voir si on se fait attaquer ou pas. Non, ça n'a pas l'air. En tout cas, on voit nettement plus clair. Ils sont dans quel état, ces gens-là? Ils sont en 60 de readiness, 50 de cœur, 55 d'entrenchment. Et pas grand-chose de truc là. Oui. Alors, ça me donnerait quoi? Cherche ceux qui sont en vert. Donc toi c'est bon. Et il m'en faut encore un des autres, hein. Soit toi, soit là. Je vois pas bien clair ici. Toi. Là tu as 7 contre 1. Avec lui tu as 8 contre 1. Et j'ai moi dit pour 8 contre 1. J'ai pas envie de perdre mes chars. Déjà voir ce que ça va nous donner comme ça. Bon, pas mal touché déjà là. Ouais, on kikine beaucoup. On les a bien touchés. 5, 6, 7 unités qu'on a touchées. Et on voit qu'il y en a normalement à peu près que 8. Ok, mais c'est pas grave. On va maintenant pouvoir attaquer, je pense. Ah, comme je disais, avec un de ces messieurs, celui-ci. Que 10% parce qu'ils sont pas de la même couleur.
Faut que je change cette couleur. Là, je suis en kikini avec mes couleurs, ici. Donc, toi, tu es de la 5e MG Infanterie. Et tu es presque de la même couleur que mes autres bonshommes. Tu vois, c'est pas une bonne couleur, ça. Elle ne me convient absolument pas. T'as pas du un bon petit truc rouge, bien rouge. Pas de brun, quoi. Pas brun. Ouais, ça c'est pas trop mal. Non, l'autre était presque rose. Pouf, j'ai du mal, Jean-Marc. Vert, allez, un bon petit vert comme ça, qu'est-ce que ça te dirait? Update. Voilà, là, on voit quand même nettement mieux la différence entre mes différentes unités. Ça, c'est bleu. Ça, c'est bleu. Ok. Voilà, toi, tu es à 100 et 90. 100 et 97, toi et toi, vous pouvez attaquer tous les deux. Et ici, est-ce que j'ai des bleus? Tu te fous de moi, j'ai pas. Ah si, j'ai ça et ça comme bleu. Mais lui, il peut plus venir. Ah, il manque du bleu ici. Ok, et nous avons du vert là. Donc il me faut un bleu qui redescende ici dedans. On peut garder comme ça. On peut garder comme ça. Donc maintenant, je te dis, mon ami, que je t'envoie mes bleus attaquer ceci. Bleu, bleu et bleu. Là, on a un bien meilleur résultat. Bien, bien, bien meilleur résultat. Mais c'est dangereux, extrêmement dangereux quand même. Mais au moins j'ai du 20%. On va attaquer là-dessus. 10%, je crois que ça devrait bien passer, j'espère. Ça me semble correct. Oui, ça me semble tout à fait correct. J'ai pas perdu de canon, de truc là, c'est déjà pas mal. C'était le plus important. Par contre, j'ai perdu malheureusement mon team médical. Ça, c'est un peu moins de chance. Et c'est tout. Ok, donc là, il recule de nouveau. Ça, de nouveau, ça nous appartient. Ensuite, nous allons passer. Ah, ça pourrait être dangereux si je bougeais comme ça. Toi, est-ce que si je viens là? Ouf, 86 AP. Non, on peut pas. Si je viens avec monsieur ici, ça me coûte 50 AP. Et donc 50 AP pour revenir. Donc ça, j'ai le droit de faire et de revenir. Donc ici, la route est coupée par là et elle est coupée par ici. Ce qui veut dire que ce monsieur n'a sans doute pas. Il n'a pas. Effectivement. À mon avis, il peut pas, il va pas pouvoir continuer sa light industry, il va pas pouvoir continuer son PowerPoint, hein, puisqu'il a besoin d'IP et il n'en fabrique pas. Son bureau, donc il va perdre ses PP, ses BP également, et il ne peut pas donner d'essence dans son airbase. Mais surtout, il n'a rien à bouffer. Il n'a rien à bouffer. Et ça m'étonnerait que son SHQ n'est pas là, il est ici, son SHQ. Ce qui veut dire que là, les gens vont mourir de faim. Ça veut dire qu'ils vont se tirer de là. Et surtout, ils risquent de faire une petite révolte. Donc, on est quand même vachement bien parti pour les casser correctement.
Surtout que tout ce temps qu'ici je suis occupé de les bousiller petit à petit, on va pas encore attaquer ça parce qu'on n'en a pas les moyens. Mais je peux par contre passer mon petit monsieur ici. J'en ai combien là? J'en ai un, deux, trois. De plusieurs couleurs, oui, j'ai du milicien, j'ai du brun et j'ai du jaune. Là, j'ai du jaune, tout court. Du jaune et du jaune. Enfin, cette couleur-là, quoi. On va ajouter lui, il va venir ici. Toi, mon ami, ben, tu vas avancer à ton aise, hein, voilà. Petit à petit, tu vas y arriver. Cette fois-ci, nous avons peut-être bien la possibilité de tout rentrer là, mais ça fait quand même un petit peu cher, je trouve. C'est un petit peu dangereux encore actuellement. Parce qu'on voit qu'il est quand même... il a tout ce qu'il faut ici. Hein. Et ça, ce sont des rubines. Par contre, ça aurait été bien de pouvoir lui piquer ses rubines. Ça, ça serait pas mal. Et en plus, t'as quoi, là? On a 7, toi. Tu as une metal mine encore, en plus, ici. Hein. Mais je veux d'abord que mes unités soient correctement... Comment vais-je dire? Qu'elles soient en forme, en tout cas. Voilà. Donc là, j'ai assez de monde, je pense, cette fois-ci. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc autant mettre plus de monde ici, si je peux y aller. Oui, je peux y aller. Boum. Parfait. 4 people, c'est bon. 2 people, c'est suffisant. 3 people, ça devrait se faire. On va remplir. De 2800 personnes. Est-ce que j'ai encore moins des... On va un peu aller regarder dans nos modèles. Oui, je voudrais voir d'abord les... vous êtes où? Machine Gunner, voilà. Alors, les Machine Gunner, on voit qu'il en manque un. Et on en a encore ici également, on en a 1000... qui sont toujours des MG1, mais c'est la troisième infanterie qui se trouve sur la droite, donc à l'est, donc on n'a pas besoin de le changer maintenant. Par contre, la quatrième MG ici, infanterie et brigade, quatrième MG, nous allons voilà, remplacer la quatrième MG, donc toi sans doute, il te manque une personne. Et donc on va faire, pas du tout, on va faire ici, lui ajouter un machine gun. Et nous ne pouvons pas, on n'a pas assez de monde. Alors par contre, est-ce que j'ai un MG ici? Non, je n'ai pas. Donc on va en créer un, pour remplacer celui qui nous manque actuellement. Voilà. Parfait. Donc lui, il ira remplacer celui qui nous manque. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut travailler cette fois-ci? Ils n'ont plus que 12, ces gens-là. Hein. On les a embêtés, hein, ça c'est sûr. Est-ce que je peux encore faire un petit truc ici? Par exemple, faire une air attaque, par exemple. Ouais, pourquoi pas. Allez, vas-y ma poule. Moi, une belle petite air attaque ici. Un, bien. Deux. Encore un. Allez, hop, non, c'est fini. Terminé. Ok, c'est bon. Bon, il m'en reste 2700. Monsieur.
que vous voulez dans une troupe, s'il vous plaît? Oui, vous voulez bien. Ok. Ensuite, est-ce que je n'ai pas fait par hasard, non pas un tech, ici, dans mes modèles j'ai fait quoi le dernier coup? C'était pas l'artillerie que je viens de faire? Si, si, je viens de faire l'artillerie au fait, oui. Ouh, que c'est joli, on a un 8-pen design 213 cette fois-ci. D'accord, 113. Ça, c'est joli, mon petit. C'est 13% au-dessus. Donc, on doit tirer deux fois cette fois-ci. Oui, on tire deux fois. Donc, 113%. Je peux tirer trois fois si je suis à 800. Si je suis à 800, je peux tirer trois fois. Mais comme j'ai 13% de plus, si je prends 700, j'ai 770. Et 2, 1. J'aurai 772. Donc, il va falloir monter encore un petit peu là-dessus. À peu près, si j'étais à 115% de 700. Donc, c'est 70 et 35. Je n'en ai pas loin. Attends. 13 fois 70, ça me fait 70 et 21, 91. Il me manque 9 points. Nom de Dieu. Ah, c'est con ça. On serait à 114,5. Il fallait 114,5. On n'est pas loin, quoi. 114,5. Mais le problème, c'est que même avec. Si j'augmente là à 130, c'est pas pour ça que je vais passer au-dessus. C'est dommage, on aurait gagné. Un canon, quoi. On aurait gagné beaucoup plus. On aurait gagné beaucoup plus. Donc, au lieu d'avoir un canon, là, on a un canon de 600. Il ne me sert à rien. Il ne me sert à rien, mon canon de 600. Je serais avec un canon de 400. J'aurais exactement la même chose. Pas tout à fait. Mais presque la même chose. Presque la même chose, on aurait. Donc là, je suis à combien? 340. Ah, oh, c'est con. Bon, c'est pas grave. Qualité non low. Bon, on peut en modifier quelques-uns. Donc, j'ai tout à fait le droit, monsieur. Est-ce que je peux vous remplacer, cher ami? Pas pour le moment. Qu'est-ce que j'ai comme point? On va finir ce qu'on doit finir d'abord. On va finir ce qu'on doit finir, ce qui est le plus important pour moi. Parce que ça, remplacer ça, ça coûte cher quand même. Hein. Un peu comment ça coûte. Ça coûte cher pour faire... pour faire une artillerie, ça coûte quoi hein? 32 quoi. 32. Avec 5, ça me fait 160. Boum, on est déjà mort. Il me faut que je me garde 125. Donc je n'ai plus que 64. Même pas. Et 60. On va en garder 60. Donc on ne va pas les faire maintenant, ces trucs-là. Ce que nous allons travailler, c'est. Monter nos line troops, ceux qui ont le besoin. J'ai une chose que je veux savoir. C'est comment ça marche maintenant, la light, ça veut dire quoi? 270 light. Ça, c'est la light armure. Eh ben, dis donc, ça me coûte un maximum, ça. Donc, c'est pas pour tout de suite. Est-ce que je peux remballer
On est chanson, mais. Eh, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le con. J'ai fait quoi? J'ai fait le con. J'ai dit quoi? J'ai fait quoi? Merde, je sais plus ce que j'ai fait. J'ai changé ça. J'ai fait un upgrade. Ouais, j'ai fait un upgrade. Ouais. J'ai fait un upgrade. Je sais pas pourquoi j'ai fait un upgrade. Tu vois, Missing 15. Je ne vais absolument pas faire ça. Je ne vais absolument pas faire ça. Ça me coûte quoi de faire ça? Un pépé. Ça va coûter un pépé. Pas grave, tu peux. Et alors, dans les settings, ce que je peux faire avec toi? Maintenant, continuer à attaquer avec lui, c'est un petit peu gênant. Bon, si je vous fais un light armure, ça te fait 46. Bonus. Je fais exit. Exit. Au moins, j'en remplace un de ces mecs-là, quoi. Je t'en remplace un. Parce que j'ai plus envie que, quand il tire, que ça continue maintenant à travailler là-dedans. C'est ça qui est un petit peu gênant. C'est la même chose un peu partout, tu vas me dire, mais bon. Non, t'as aussi un autre risque. T'as plus que 8, hein. Touche plus à rien, 125, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai des people, je devrais pouvoir en remplacer quelques, en ramener quelques-uns. Donc moi ça, tu as, donc toi tu vas être scrappé, ouais, scrap, et Line Troops 2, AMG 2, on a 100 Line Troops 2 qu'on peut remballer, qu'on peut mettre ici à mon avis. Donc 800, 800 Line Troops. Tu peux en faire combien? Ouais, ok, vas-y. Est-ce qu'on en a encore? Non. Alors notre military research. J'ai un peu embêté avec cette. Bon, j'en ai trois, j'ai pas besoin d'aller plus loin dedans. Donc je peux revenir par ici et faire l'hélicoptère. Ok, fais-moi l'hélicoptère, mon ami. Ok, et ici, nous allons. Eh bien, on va rien faire pour l'instant. On va. No new orders, on va tout taper vers.
vers l'autre bidule. Voilà, ça, on a terminé. Ok. Je pense que les petits gars qu'on a fini pour ce tour. Je...